Bon, coucou les choupinous, ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, on se retrouve. Je vais essayer de vous filmer comme ça les vidéos et vous les mettre après sur Facebook. Je pense que ça sera plus simple et mieux. Alors là, je vais vous filmer. Je vais faire un maquillage avec tout ce que j'ai, avec le fard à, l'ombre à paupières et tout. Avec tout, comme ça, vous voyez tout et je vous dis tout en barre d'infos. Quand je vous dis tout. Ce qu'il y a dedans. Je vais récupérer mes papiers. Allez, bon, alors on va commencer par l'eau de rose de Unique. Elles sont super bon, en sachant que dedans il y a des extraits de pamplemousse amère et des extraits de rose. Vous avez les sérums qui est à base de vitamines. Le sérum, c'est avec une pipette. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop là. Vous prenez et vous mettez, et voilà. C'est mieux que d'autres. Je trouve que c'est vrai que la pipette, des fois, c'est bien pour certains produits. Hop là. J'en mets un peu dans le cou aussi. Alors, en sachant, mais en plus, ça sent super bon. Ça pénètre super bien dans votre peau, il n'y a pas de souci de ce côté. Vous n'avez pas besoin de. Comment dire? De mettre 3 tonnes de produits parce que ça pénètre super bien. Et tout, c'est super. Voilà, alors. Que je vous explique de tout peu. Hein. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Alors, le sérum, il y a de la vitamine C, du revitalisant pour la peau. Il y a des extraits de mangue. Et il y a des extraits de pamplemousse. Ça sent super bon. Bon, est-ce que j'en ai plus? Ah, si. Alors. Allez, viens, attends. J'avais reçu un échantillon de crème pour le contour des yeux. Et bon, là aussi, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. C'est un sérum pour les yeux et tout, et c'est super. Je vais en passer dessus. Alors là, je vais passer une commande vendredi ou samedi sur Youniq parce que je vais acheter une palette. Vous pouvez acheter le truc à palette. Vous pouvez faire vos palettes vous-même. Vous achetez des ombres à paupières que vous mettez dans vos palettes, la couleur que vous voulez. En gros, vous créez votre propre palette. Après, je vais acheter ça. Je vais acheter des encres à lèvres. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns là qui m'intéressaient. Je vais en prendre un qui m'intéresse un peu, qui me fait de l'œil. Et je vais prendre. J'ai quoi dit d'autre? De toute façon, j'ai tout noté de ce que je veux prendre. Pour passer la commande. Ah, voilà. Alors. En sachant, alors ça c'est un sérum de Yunique. Le sérum de Yunique, ça va vous aider à avoir des cils plus longs, plus épais. En sachant qu'il faut le mettre tous les soirs avant d'aller vous coucher, de laisser bien sécher. C'est pour ça que moi je le fais depuis vendredi. Et là je l'ai. Et aussi il faut le mettre le matin. Là voilà, je l'ai mis ce matin. Pendant que je me préparais et tout, que je nettoyais ma fille, mon visage et tout.
je n'ai pas encore mis de mascara, rien du tout encore. Ça vous voit, voilà, vous aurez à avoir des cils plus longs, plus épais. Sur 4 semaines, il faut le faire. Ça fait que tous les soirs, moi en général, je le mets une demi-heure avant d'aller me coucher. Comme ça, il a bien le temps de sécher. Par contre, un truc qu'il ne faut pas faire, comme moi j'ai fait, c'est que j'ai chuté partie de la racine jusqu'au cil. Non, il faut partir du milieu du cil jusqu'en haut. Surtout pas de la racine. Ça va vous picoter un petit peu. C'est assez normal. Moi, ça m'a juste piqué la première application et après, voilà, plus rien. C'est tout à fait normal. Mais voilà, pendant 4 semaines, vous l'appliquez tous les soirs. Le matin aussi. Alors, le matin, il faut bien faire sécher pour pouvoir mettre après la base et le mascara. Là, ça doit faire quoi? Ouais, à peu près 10 minutes que je l'ai mis. Que voilà ce que ça donne. Alors, purée, moi je suis hop, je vois rien sans mes lunettes, je vois que dalle. Alors, le sérum, t'es ouf. Oui, non, parce que je vous ai tout noté en plus. Alors, le sérum, il y a du karatine, il y a des estries d'algues marines et il y a des revitalisants. Revalilisants. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors voilà, c'est appliqué le soir avant d'aller coucher et le matin pendant 4 semaines. Après, quand vous voyez que pendant 4 semaines ça va, si vous voulez un peu plus de résultats ou que vous trouvez que votre résultat il va très bien, vous l'appliquez juste 2 à 3 fois dans la semaine. Voilà. Et là, moi je vous dis, j'utilise depuis vendredi. Voilà. Après, maintenant je vais mettre. Non, je vais mettre le. L'ombre à paupières liquide. Alors ça c'est la couleur. Moi j'aime bien cette couleur. C'est Reverant. Reverant. Elle est pas mal. Il y en a plusieurs teintes par contre du liquide. Vous pouvez y aller, je crois qu'il y a 8 teintes. Alors, ce qui est bien, c'est un embout comme ça. Voilà. Et là, moi, c'est mon miroir qui est juste là. Alors, vous, je vous décolle. Et toi, non. Alors. Vous, je vous décolle comme ça. Et toi, je t'avance comme ça. Voilà. Ce sera plus simple. Oui, j'ai mon miroir qui est juste à côté. Alors. Et ça s'applique nickel. Alors, moi, j'aime bien. Alors, en sachant que moi, j'ai des fards liquides, ça me piquait énormément les yeux. Et là, celui-là, il est nickel. Voilà. Celui-là, nickel, ça m'a juste piqué la première application, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est tous les fards liquides et que j'ai une peau de merde, façon de parler. Je peux mettre certaines marques de maquillage sur ma peau, certaines marques aussi de crème sur ma peau, parce que j'ai une peau très compliquée et que je ne supporte pas certaines choses, c'est tout. Alors là, on va laisser sécher un petit peu. Mais là, moi je vous dis, depuis que je le mets... j'ai mis 3-4 fois. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien faire un maquillage comme d'habitude. Je mets juste un trait d'eyeliner, du mascara. Là j'ai dit, je vais vous le remettre celui-là pour vous le montrer. Vous avez plusieurs teintes. Alors attendez. Donc, je vais aller allumer l'ordinateur. Comme ça je vous montrerai aussi devant l'ordinateur. Alors, vous avez 8 teintes précisément pour l'ombre à paupières. Voilà. Sec. Alors maintenant, je vais mettre le mascara. Alors, l'ombre à paupières. L'ombre à paupières dedans, il y a du bon, il y a du colorant, il y a de l'eau, il y a de la glycérine. Voilà. Il y a de la glycérine, il y a de l'eau, il y a du colorant pour l'ombre à paupières. Bon, c'est normal pour que ça soit coloré. Mais j'ai rien à dire sur ça.
Ça ne pique pas, rien du tout. L'eyeliner. Comme ça. Alors, l'eyeliner, vous le tournez. Et c'est une petite mine très fine. Comme ça. Qui va... Voilà, j'ai décidé de faire un petit trait fin. Oui, je vais cet après-midi ou demain, je vais essayer de me faire faire le petit truc là-haut. Mais voilà. Parce que ça, je sais pas trop le faire. Voilà, bon, ça c'est moi. J'arrive d'un côté, mais j'arrive pas de l'autre. Ça c'est tout, ça c'est moi, faut pas chercher. Un truc bien d'un côté et je fais un truc horrible de l'autre. Voilà. Et ça glisse tout seul hein, sur un bon paupière liquide, il n'y a pas de souci. Sur d'autres maquillages, il n'y a pas de souci aussi. Ça glisse tout seul. C'est super. Alors, maintenant, on va mettre les crayons noirs. L'eyeliner, si je me rappelle bien, vous avez deux teintes différentes. Et le crayon, vous avez plusieurs teintes différentes de crayon. Pour mettre dessous les yeux, vous en avez plusieurs. Vous en avez vraiment plusieurs. Et comme ça, vous pouvez faire plusieurs maquillages différents ou... Voilà, oui, j'en mets un tout petit peu en haut, mais juste un quart et tout le bas. Comme ça. Il est pas mal, franchement, j'aime bien. Là, pareil, lui aussi, ça va tout seul, y a rien à dire. Alors, la base, il y en a beaucoup qui me demandent à quoi elle sert la base. La base, pardon, elle sert à ce que ça va vous aider à avoir des cils plus grands, à avoir des cils plus épais. Alors, la base, elle est comme ça, elle est recouvrée. Quoi, la brosse, elle est en forme de demi-lune. Ça va vous aider. Alors, par contre, vous pouvez mettre la base de mascara, même après le sérum, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Ça va commencer déjà à vous faire des cils un peu magnifiques. Et par-dessus, ça va être nickel. À mieux, voilà, les allonger. Un peu à les épaissir, faire comme si ça vous aidait à faire comme si c'était des faux cils quand vous mettrez le mascara. Voilà. J'en mets aussi en bas. Alors, par contre, moi le sérum, je le mets que sur mes cils du haut, je ne le mets pas sur mes cils du bas. Voilà, je le mets que sur les cils du haut. Tout simplement. Comme ça, après vous allez laisser sécher et on va mettre le mascara. Je vais mettre le mascara 4D. Vous allez voir les cils que ça vous fait. Je vous jure, vous avez l'impression après que vous avez l'impression que c'est des fossiles. En fait, non. Ce n'est pas des fossiles. Ce sont vos cils à vous et qui sont super. Voilà.
Du coup, pour toi, en bas. En bas, c'est bien pour avoir la brosse comme ça. Bon. Désolée, ça a coupé, mais de toute façon, je vais faire un montage. Ah, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, on va laisser un peu sécher. Alors, que je vous dise. Un mascara, la base blanche. Ah oui, oh, j'ai dans les yeux en plus. Il y a de la vitamine E et de la cire d'abeille dedans. Je vous dirai tous les prix après. Alors, maintenant, je vais vous mettre le mascara 4D. Le mascara 4D, ce qu'il a comme effet, c'est que c'est celui-là que vous allez avoir l'impression d'avoir des faux cils. Et qu'en fait, non. Alors, la brosse, c'est que des petites fibres. Super. Et ça, ça va bien prendre votre cils. Ça va être nickel. Je vous jure, vous allez voir, vous allez tomber amoureuse comme moi, je suis tombée amoureuse de ce mascara. Voilà. Alors, par contre, moi, je vous conseille de passer deux couches. Comme ça, c'est le mieux. Vous êtes sûr d'avoir pris tout. Désolée. C'est un avion, ma chérie. Voilà ce que ça donne. Maquillée, pas maquillée. Oui, désolé, c'est un avion qui vient de passer. Oui, après, je vais enlever le puce de noix. Voilà ce que ça donne. Maquillée, maquillée. Non, ouais, désolé pour l'avion. En ce moment, ça fait 2 ou 3 jours qu'on a des avions qui passent. En bas comme ça, je vais laisser sécher avant de poser la seconde couche. Non, désolé, je suis à chercher un chiffon parce que on me dit ouais, t'as pas possédé, il y avait une tache, ça m'énerve. Voilà, maintenant on va passer la seconde couche du mascara. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, vous voyez, ça vous fait des cils magnifiques. C'est super. Franchement, il est génial. Moi, je vous dis, je suis tombée dingue de ce mascara. Mais super. Il est top, franchement, j'adore. Ah, on va nettoyer un peu tout ce qui a débordé. Et parce que, alors, moi, quand je maquille, hein, il y en a. Mince. Ah.
Voilà, regardez-moi ça, vous avez l'impression d'avoir des fossiles. Et j'adore, je trouve que c'est mieux que des fossiles. Hein, parce que bon, moi perso, je suis pas très fan des fossiles. Et franchement, j'adore. Alors voilà ce que ça donne. J'adore, je suis fan. Je vous jure, j'adore. Je suis tombée amoureuse de ce mascara. Alors, je vais mettre le rouge à lèvres. Uni comme ça, vous avez aussi plusieurs teintes. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est aimanté. La teinte, elle est magnifique. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous avez aussi le baume à lèvres. Vous avez aussi plusieurs teintes. Ils sont la menthe, c'est super classe. Alors, vous avez aussi un autre mascara Twist, comme ça. Il a deux têtes aussi, il fait des... Là, c'est pas la fibre, c'est des petits picots. Et... Des petits picots. Alors, en sachant que la petite brosse, ça va vous aider à bien récupérer tous les cils comme il faut. Vous pouvez le faire avant de mettre le... La grosse brosse et après comme ça vous avez bien tous les cils qui sont pris. Ah oui, et la pomme de massage pour vous aider à tout démaquiller, enlever tout le maquillage et tout qu'il y a. Et franchement, j'adore. Je n'ai pas de souci de ce côté aussi pour me démaquiller. Parce que c'est qu'à base d'huile. Alors je vais vous dire tout, vous expliquer. J'avais déterminé en fait. Alors, je vais vous dire les prix. Je vais vous dire toutes les compos. Alors, bon, la base de cils, elle est de vitamine E et de cire d'abeille. Elle est à 26 euros. Vous inquiétez pas, sur le site, vous avez des lots de mascara avec la base, le sérum ou que le 4D. En plus, ce mois-ci, vous avez une offre promo en passant par mon lien. Elle est à 78 euros. Ou vous pouvez acheter un gloss, la couleur vous pouvez la choisir. Vous pouvez vous acheter un fard à joues, la couleur vous la choisissez. Une ombre à paupières, la couleur vous la choisissez aussi. Vous avez un mascara parce que quand je vous dis les prix de mascara, je vous dis ça vaut le coup, mais vraiment le coup. Vous pouvez choisir entre le 4D, le Twist et le mascara normal. Et en plus, si je me trompe. Pas, oui, vous avez le gloss, le fard à joues, l'ombre à paupières et le mascara. Voilà pour 78 euros. Alors, la base, je vous dis, il y a de la vitamine E, de la cire d'abeille, elle est à 26 euros. Le mascara 4D, celui-là, il y a de la cire, de son de riz, de l'épiderme, épizinade pour avoir des cils vachement gros et tout. C'est à base de talc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il est à 31,50 euros. Alors, quand je vous dis que l'offre à 78 euros, ça vaut le coup, voilà, elle est à 31,50 euros. Après, non, le sérum. Quand je vous dis dedans, le sérum, il est à 26 euros. Il y a de l'algues, il y a des révitalisants, des kératines. Voilà. Ça, oui, dedans, il va avoir un tout, tout petit peu de produit pour pouvoir. Que le produit ne périme pas dès qu'on l'ouvre. Tu les bactéries aussi. Alors, il y en a très très peu. De toute façon, vous avez tous les ingrédients sur les boîtes. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas testé sur les animaux. Voilà. Alors, attends, on va terminer avec le mascara. Alors, le mascara Epic Twix, il est à 29 euros. Il y a de la vitamine du groupe B, de la carotène, révitalisant pour la peau aussi, quoi, pour les cheveux, parce que les cils, c'est comme des cheveux, font prendre soin aussi. Et de la vitamine B5, l'huile d'argan et l'huile d'amande douce. Voilà. Dedans, voilà, vous en avez très, très, très peu de produits, comme il y en a qui vont dire chimique. C'est pour conserver le produit, tout simplement. Et de toute façon, la pure, je vous dis, il y a des vitamines B5, il y a de l'huile d'argan, l'huile d'amande douce. Les vitamines, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et c'est pas testé sur les animaux.
Elle m'a envoyé depuis une semaine, je l'utilise et il n'y a pas de souci. J'ai la peau qui n'est pas rouge ni quoi que ce soit. Bon, là, ça a toujours été rouge, je vous assure. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas eu de souci. J'ai pas de souci. Alors, on va passer à la baume nettoyante pour vous démaquiller. La baume nettoyante, il y a trois huiles. Il y a l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin. Et c'est top. Et elle est à 53 euros, je crois, celle-là. Oui, elle est à 53 euros. Et ça sent super bon. Voilà. Et je m'en sers. Je m'en sers et tout comme il faut. Il n'y a pas de souci de ce côté. Après, nous allons passer au sérum illuminateur. Celui-là. Là, celui-là que moi j'ai, il fait 12 ml. Il est à 86 euros. Il y a de la vitamine. Il y a des revalisations pour la peau. Il y a des extraits de manque, de mangue et des extraits de pamplemousse. Voilà. Il est à 86 euros. Alors, ça. Ça, c'est bon. Alors, l'eau de rose. Vous avez deux formats. L'eau de rose, il y a l'extrait d'orange, d'oranger amer et d'extrait de rose. Voilà. Elles sont très bonnes. Alors, par contre, vous avez deux formats. Vous avez un format qui fait 50 ml, qui est à 31,50 €. Et vous avez un autre format. Et que, attendez, oui, que 50 ml qui est à 31,50 €. Il y a un autre format qui est à 100 ml, qui est à 42 euros. Voilà. Après, nous avons. Non, ça c'est bon, cette page c'est fini. Pourquoi je l'ai marqué deux fois? Ah non, c'est pas le même. L'eyeliner, il est où? L'eyeliner. Il est à 23 euros. Il y a des vitamines aussi dedans. Il est à 23 euros l'eyeliner. Bien sûr, les crayons. Que je l'ai. Ouais. Les crayons pour les yeux, il est à 16 euros en sachant que vous avez, je crois, une dizaine de teintes. Voilà. L'eyeliner, vous avez deux teintes. Vous avez marron et noir. Après, qu'il soit ombre à paupières, comme je vous disais, il y a de l'eau, il y a de la glycérine et du colorant. Et vous avez, je crois, huit teintes. Il est à 23 euros. Voilà. T'es où? Le rouge à lèvres, comme ça, vous avez plusieurs teintes aussi. Il est à 29 euros. C'est un mélange de cire, de piment finement moulé et de vitamine. Et il est à 29 euros. Alors, le beurre pour les lèvres. Ça va vous aider à ne pas avoir les lèvres gercées. Il est top. Le beurre pour les lèvres, il est à 24 euros. Il y a de la menthe poivrée, il y a de la vitamine E, de l'huile de jojoba et du beurre de karité. Voilà. Alors, tout ce que là je vous ai montré, c'est tout ce que moi j'ai reçu dans ma box. Je n'ai pas de fond de teint, je n'ai pas pour faire mes sourcils. Ça, je vais le commander à la fin de la semaine pour faire mes sourcils. D'autres ombres appropriées. Alors, vous en avez en crème, vous en avez pas en crème, mais c'est vous allez. Vous avez des ombres paupières en crème, en poudre, en liquide. Vous avez plusieurs sortes. Oui, désolé. Alors, vous avez plusieurs sortes. Comme je vous mettrai mon lien en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi plusieurs sortes de fond de teint. Vous avez en poudre, liquide ou en spray. Ça, je les prendrai le mois prochain. Là, je vous dis, je vais vous prendre. Moi, pour moi personnellement, je vais prendre les ombres à paupières en poudre. Je vais prendre pour faire des sourcils. Et comme j'ai dit que je voulais. Mais non, parce que j'ai tout marqué. Oui, le crayon à sourcils, l'encre à lèvres, la palette pour faire des palettes, pour faire ma propre palette. Et voilà, je vous mettrai mon lien pour aller directement
sur Yonic en passant par mon lien. Comme je vous dis, vous avez la promo à 78 euros. Je vais vous la montrer si mon ordinateur veut bien s'ouvrir. Non, c'est que j'avais oublié de l'allumer quand je me suis réveillée et monsieur, il a du mal à démarrer mon ordinateur. Alors, voilà, hein, ça sera cool. Après, vous avez, de toute façon, tout est marqué. Vous avez des crèmes aussi pour le de jour, des crèmes de nuit. Vous avez des masques, vous avez tout. Ça, je vais en prendre aussi quelques-unes. Voilà, là, j'essaye de prendre certains trucs de maquillage. C'est pour ça que je ne fais pas de fond de teint, parce que j'en ai pas. Et que là, il faut que je voie, parce que je connais plus du tout ma taille, moi, pas ma taille, mon teint, pour le fond de teint. Alors voilà, c'est un peu compliqué. À tes souhaits, mon cœur. Alors voilà. Faut le temps que ça arrive. Comme ça, je vous montre tout. En passant par mon lien. Allez. Ah oui, l'ordinateur, il a du mal à démarrer le matin. Je vais vous montrer en passant par mon lien l'offre qui est à 78 euros. Je vous dis, ça vaut vraiment le coup. Le gloss, vous avez le gloss, le mascara et tout, ça vaut vraiment le coup. Allez. Voilà. Alors. En passant par mon lien, vous allez arriver sur cette page. Vous faites passer version supérieure, voire plus tard, c'est comme vous voulez. Alors, déjà, on va supprimer ça. Alors, voilà ce que vous pouvez déjà avoir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Vous avez le gloss. Vous avez plusieurs couleurs de gloss. Voilà. Alors, vous pouvez choisir le gloss. Après, vous avez le fard à joues. Aussi, vous pouvez choisir plusieurs couleurs de fard à joues. Vous avez ombre à paupières. Alors, ce qui est bien, c'est des recharges d'ombre à paupières pour mettre dans des palettes comme ça. En plus, vous avez une boîte avec. Alors, hein, pour faire vos propres palettes. Et ça, je trouve ça super classe. Alors là, vous avez plusieurs couleurs aussi. Alors là, vous pouvez créer votre propre palette. Il y en a avec des pastilles, avec des paillettes, sans paillettes. Et ça, c'est des recharges que vous pouvez mettre après sur votre palette que vous pouvez faire vous-même. Et là, c'est tout ce qui est mascara. Un mascara, vous avez les pics 4D, celui que j'ai mis actuellement sur mes cils. Vous avez le tweed et le mascara normal. Voilà. Et tout ça pour euros. Vous avez tout ça pour 78 euros. Alors, les ombres à paupières de recharge, c'est que vous pouvez. Moi, c'est ce que je vais prendre. La petite palette, vous en avez, je crois, 6 dedans. Il y en a qui en ont 8. Et vous faites votre propre palette des couleurs que vous voulez. Parce que des fois, je sais que moi, ça m'est arrivé plus une fois d'acheter juste une palette parce qu'il y avait 3-4 couleurs qui me plaisaient et les autres, non. Alors, je trouve ça malheureux d'acheter une palette pour juste quelques couleurs que là, ben, là, vous pouvez faire vos propres couleurs. Vos propres palettes quoi de maquillage. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous aurez tout expliqué. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des mails sur mon groupe sur Facebook Unique le Choupi. Comme ça, vous pouvez m'envoyer même en privé ou quoi que ce soit. Je répondrai avec plaisir. Je vous mets mon lien comme d'habitude dans les commentaires. Ou en barre d'infos, parce que je vais mettre sur YouTube aussi la vidéo, et voilà. Mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir!